Appelle-moi le Camerounais qui frappe les femmes là. Hey! Mon général, tu dis quoi? Il y a un Camerounais qui frappe femme au Cameroun. Il va monter un peu la vidéo d'abord. Oui, montre-nous un peu la vidéo là, voir. Regardez, hein. Mais fais fou, hein. Je vais me casser le coup de connerie, mais fais fou, hein. Idiot. Je te blesse, je fais ce que tu me fais. Hey! Connard, mouf! Connard! Pâté, mouf! Ne me dis-moi que c'est une blague. Non, mais sérieux, tu viens de taper la femme de quelqu'un dans la rue? Ça fait mal. Mon cœur est froissé. Supposons seulement que ça aurait été Francis Ngannou à la place de cette femme-là. Je t'ai dit, mais pourquoi il fait preuve d'une telle violence envers cette femme? Elle subit cette violence parce qu'elle a connu la voiture de ce monsieur. Donc, ils ont eu un accident. Et où est le problème? Appelle la police, on vient faire le constat. Lorsqu'il y a accrochage, on fait appel à la police qui vient faire le constat et les assurances se chargent de tout. Ça, c'est clair. Je peux même venir cogner ta voiture volontairement. Mon frère, c'est la police qui doit venir faire le travail, c'est pas toi. Quand il y a un accident, on ne se fait pas justice soi-même. Une femme, tu la frappes comme ça, soi-disant elle a percuté ta voiture. Je te dis que... Petit frère, Fongam, qui t'a d'abord envoyé sur la portière de la femme-ci? Je sais que quoi? Petit frère, c'est pas le taxi de ta grand-mère. Tu ne veux pas la voiture de quelqu'un comme ça. En vrai, mais ça c'est quand même un lourd dossier, hein. Qui va même traiter ça? Dossier comme ça? Dossier? C'est Marco Soso qui peut traiter ça, non! C'est ton dossier, c'est le dossier de ton pays. Et qui est? Marco Soso, on dirait là les puces aux fesses, il se mêle de tout. Je voulais prendre le dossier pour défendre la cause des femmes. Voilà. Ma console, tu n'as rien à faire de ta vie. Tu es un genre de prêtre. Maudia. Tout ça, c'est à cause des taux. Et toi, c'est toi qui as ouvert cette porte de mépris que les Ivoiriens viennent mépriser les Camerounais. Quoi? Parce que si tu n'étais pas allé épouser Georgette, les Ivoiriens n'allaient pas tant mépriser les Camerounais. Aïe. L'histoire que tu engages là. Bref, ne nous éloignons pas du sujet. Valérie, tu penses quoi de cette affaire? Chez nous, en petit, on dit souvent que regarde là où tu glisses, ne regarde pas là où tu tombes. C'est-à-dire? On regarde toujours là où on glisse, on ne regarde pas là où on tombe. Même quand on voit les enquêtes criminaux. Tu dis quoi? Les enquêtes criminaux. Hey! Les accidents. Hey! Oh maman! Valérie, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, on m'avait appris à l'école que quand c'est beaucoup, n'est-ce pas, on met le EUX. Ouhou, les diplômes du marché central. Aïe, aïe, aïe. Bref, Valérie, quand tu dis qu'on ne doit pas regarder là où on tombe, mais plutôt là où on glisse, ça veut dire quoi concrètement? Est-ce que vous vous aviez posé cette question que cette dame a fait quoi pour que l'homme porte la main sur elle? Allez, en brousse, avec ça. Peu importe ce qu'une femme fait! Tu n'as pas le droit de mettre main sur une femme. La femme, c'est quelqu'un de fragile. On ne tape pas sur la femme. Ça, c'est même pas un homme. Vrai. Il violente une femme. Mais ça, c'est quel genre d'homme, ça? Avec son ventre devant comme ça, là, comme une femme enceinte de 3 mois. Inconscient. On aurait dû t'avorter. Et qui est l'étoile cribière? Calme-toi. Les vrais hommes ici se battent avec les hommes comme eux. Toi, ta force, c'est sur une femme. Comment on peut être violent et cruel comme ça envers une femme? Il fallait quand même fouetter celle-là. Mouf, tu dis quoi? Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous encouragez la violence sur les réseaux sociaux à l'endroit d'une femme? Je n'encourage pas la violence. Bien sûr, puisque tu dis qu'il fallait qu'on la fouette. Peut-être que la femme l'a poussée à bout. Avec ça? Oui! La façon qu'elle filme, elle poussait dans ma boue, dis donc. Je ne vois pas en quoi est-ce que la dame lui a manqué de respect. Au contraire, elle était très pacifique, hein. Regarde ça, laide comme la nouvelle de la mort. Non, Valérie, je ne suis pas d'accord, pas d'insulte ici. Aujourd'hui, vous jetez les pierres à ce monsieur. Oui, mais c'est ça. Peut-être qu'elle a fini d'insulter l'homme de cruie. Après, elle dit à la personne qui était à côté d'elle, filme. Il a vu qu'on le filmait, mais il a continué à faire ce qu'il faisait. Je vois des gens qui veulent essayer de lui trouver une excuse. Pourquoi est-ce qu'il se rend compte qu'on est en train de lui filmer et il continue toujours à vouloir faire l'homme? La dame fait exprès de répéter qu'il y a la vidéo. Il sait qu'on le filme. Hé, hey, mon Dieu. Aucune dignité. Hey, le monsieur, là, apparemment, il vient de se marier. Je plains ta femme. Tu sens que ce monsieur, il frappe sa femme à la maison. Il doit être très, très violent dans sa maison. Moi, la femme. Monsieur là, je fuis le mariage. Ce n'est pas normal qu'on soit en 2022, qu'on ait encore des personnes comme ça. Voilà, c'est ça. C'est devenu lourd sur sa tête. Et regardez ce qu'il est venu poster. Il a posté quoi? Après avoir commis sa bêtise, regardez ce que l'imbécile est venu poster. J'ai conscience d'avoir mal agi. Et vous présente ici à elle et à tous ceux dont l'acte a touché mes plus sincères excuses. Ah, c'est un menteur. Ouais, tant que quelqu'un cherche les raisons, c'est comme ça. Il demande pardon parce qu'il est au pied du mur avec sa bêtise. Ou il demande pardon parce que sincèrement, il reconnaît son tort. Je m'interroge. C'est très facile de commettre un acte pour par la suite venir demander pardon. Vous savez, nous sommes tous des êtres humains. Ça, on ne peut pas tolérer ça. Pas d'excuses qui tiennent. Petit frère, on ne t'excuse pas. Tu dois assumer les conséquences de tes actes. Quand il va te présenter les excuses et qu'on va accepter, les gens vont commencer à frapper les gars ici dehors juste pour demander les excuses après. On s'en fout de ces excuses. Sa place est en prison. Le gars là doit aller en prison. Parce que ça ne peut pas rester impuni. Le monsieur que vous avez vu là. C'est un danger public. Notre travail, c'est de protéger notre société de ce type de personnes parce que ça, c'est un comportement animal. Ça, c'est pas le comportement d'un être humain. Frapper sur une femme avec une telle violence. C'est inhumain. La place des hommes violents,
C'est un pigeon. Pour que ça serve d'exemple à d'autres imbéciles qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas de cerveau. Le cerveau vide comme le sous-sol français. Il faut qu'on fasse justement un exemple. Les autorités camerounaises doivent montrer leurs compétences ici maintenant là. Si cet homme, les autorités camerounaises s'amusent à lui et ne font pas de cet homme un exemple, ils vont penser qu'on peut frapper les femmes et ça va pas quelque part. Les Camerounais, on est là, on vous observe. Mais j'ai suivi qu'il a déjà été interpellé par la police, non? En tout cas, on dit qu'il est le fils d'un chef. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et s'ils vont le mettre en prison, deux jours après, son papa c'est un chef, il va aller payer, ils vont libérer son fils. Disons-nous les vérités vivantes. C'est comme ça en Afrique, c'est comme ça. On peut pas accepter ça. Que justice soit faite pour cette femme. En tout cas, on attend voir ce qui va se passer. Bon, pasto. Oui. Donne-nous la bénédiction. C'est pas pour qui? Arrêtez ça. C'est quelqu'un qui dit. Arrêtez ça. Un nice. Hey. Non. Ha. Je respecte. Allô, Dudo, tu as vu ça? Ils ont oublié tes consignes. On a dit un week-end, un buzz. Un week-end, un buzz. Pas que. Cette fois-ci, ils ont tout gâté. Ils ont envoyé plus de 4 buzz un même week-end. On fait comment maintenant alors? Avis aux autres qui sont encore au labo. Ne t'inquiète pas, le vieux, on va revenir sur tous ces buzz, surtout celui-ci en particulier. Bon, pasto, donne-nous la bénédiction finale, on part. Dominus vobiscus, sempre in tasoro bolambalande de miria. Amen. Si une femme ne partage pas cette vidéo, c'est que c'est une sorcière. Quand l'amour désolé, mon trésor désolé.